Boye malamu na baye balanda kabasango na biso na souhaité bino mokolo malamu na kombo ya Jésus Christ de Nazareth oyo a permettre ngai na bino tokutana lisusu lelo na kati netando na bino bolingaka mingi awa toza en direct ya Villa Likasi toye pona kozwa ba image pona kolaksa peuple congolais en direct awa ya Likasi toza usala musala kitoko Adonai. Papa. Bonjour. Ici, nous sommes où? Nous sommes au complexe Mapinduzi, dans la ville de Likasi, commune de Likasi. Et dans ce complexe fonctionne l'Institut Moulima. Mmh. En son sein, il y a la section technique sociale et la section littéraire. Mmh. Mais comment ici? Bon, d'une manière générale, nous, comme nous sommes les rodés de l'enseignement, nous sommes presque en train de partir en pension promise, mais qui ne se réalisera peut-être pas. Alors, nous espérons que, avec ce que l'on nous promet, on puisse sortir honorablement de cette carrière où nous avons tant formé beaucoup d'élites et qui sont en train même de nous diriger aujourd'hui. Mais malheureusement, ce que nous récoltons n'est pas digne de nous. Parce que nous sommes dans une profession honorable, mais cette profession-là ne nous donne pas tous les honneurs qu'on attendait d'elle. C'est pourquoi nous nous disons que nous sommes la dernière des carrières qui devraient être prises avec beaucoup d'honneur dans les pays. Parce que ceux qui nous dirigent ont été formés par nous, ce qui suppose qu'eux devraient nous donner de la valeur. Mais malheureusement, quand ils montent très haut, ils sont en costume, ils se donnent même des honneurs politiques qui font que nous, nous restons dans les oubliettes. Voilà à peu près le compte rendu sur ce que je ressens de la profession dans laquelle j'évolue. La gratuité, nous trouvons que cette gratuité, c'était une aventure. On est venu imposer aux enseignants des conditions qui sont devenues encore plus dures. Donc au lieu que la gratuité soit une occasion pour l'enseignant de se sentir honoré, la gratuité est devenue aujourd'hui une imposition. Par exemple, maintenant, nous attendons que les enseignants de l'école primaire, on leur accorde une prime de 30 000 francs par mois pour la gratuité. Est-ce que c'est une gratuité ou on est venu encore rendre l'enseignant plus misérable qu'avant? Voilà pourquoi cette gratuité, nous ne la trouvons pas bien organisée. Et ça a été comme une aventure politique dans laquelle on n'a pas pris assez de responsabilités pour que l'enseignant ne se trouve pas martyrisé. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur cette gratuité. Elle devrait se faire accompagner des mesures pratiques qui honorent l'enseignant. Je voudrais renchérir sur ce que le doyen vient de dire. Oui. Par rapport à ce que nous sommes, nous, enseignants. Mmh. C'est un juriste, malheureusement, qui donne cours. Après avoir obtenu le diplôme au bas âge, je suis même arrivé à la vieillesse sans trouver de l'emploi pour me rabattre dans l'enseignement qui lui aussi vient d'être maltraité avec ce qu'on appelle gratuité de l'enseignement et des contrôles intempestifs. Il y a des services nombreux là qui viennent nous contrôler sans raison. Maintenant, nous voulons demander aux dirigeants de ce pays de songer à tout le monde. Bientôt là, je serai en retraite. Mais quel genre de retraite? C'est la mort, c'est à la mort qu'on m'envoie. Parce que si on considère ce qu'on a donné à ceux de Kinshasa, 2 500 $ plus une congélateur ou un congélateur, ça va représenter quoi? Nous devons être humains. Nous devons bénéficier des ressources du pays de manière équitable. À l'arrivée du président, nous avons eu d'espoir avec tout ce qu'il nous a promis. Mais malheureusement, nous réalisons aussi qu'ils sont tous les mêmes. Yeah.
Élève Michael Mombaka Songo, DG de l'Institut Moulima. J'ai compris quelque chose à propos de l'enseignement et on avait eu d'abord un peu de retard. Le retard vu à la gratuité plutôt. Mais quand même, les professeurs, nous avons de meilleurs professeurs, mais il n'y a pas assez de. Moi, je dirais assez de bancs pour les élèves. Nous avons des bancs qui sont un peu isés là, il y a des bancs qui sont cassés par ignorance. Je dirais que cette école, c'est une bonne école, mais comme les gens sont ignorants, ils se disent que l'Athénée, c'est une école de voyous, une école de pites, une école de prostitution, donc de prostituées où les élèves et les enseignants sont en train de se prostituer. Et ça donne une mauvaise réputation à propos de cette école. Sinon, mais à l'école, il y a de bons professeurs et bien encadrés, et ils nous encadrent dans de meilleures conditions. Juste, moi, je dirais, c'est juste le bâtiment qui ne sont pas bien un peu entretenus. On n'entretient pas bien le bâtiment, on ne torchonne pas partout et on ne torchonne pas chaque jour le sale. C'est juste ce que je peux parler. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Fortune Kanim Kabel. J'étudie à l'Institut Moulima. Selon moi, sur l'enseignement, on enseigne correctement, mais les professeurs viennent rarement dans la classe. Les autres viennent et les autres ne nous enseignent pas. Les autres sont fatigués à venir à l'école. Les autres, ils sont paresseux. Alors selon moi, on enseigne bien, on enseigne correctement et on comprend les cours correctement pour nous aider. Et une chose, les professeurs disent qu'ils sont mal payés. Je ne sais pas pourquoi, parce que les présidents ne leur payent pas. Alors, ils ont jugé bon de que les élèves commencent à payer à l'école. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Ici nous sommes où? Nous sommes à Likassi, précisément à l'Athénée, c'est-à-dire au grand complexe Mapinduzi. Vous vivez comment ici, dans la province de Likassi, ville de Likassi? Dans l'enseignement, nous sommes en train de nous battre. Surtout qu'on nous a parlé ces deux dernières années de la gratuité. Ça nous fait beaucoup souffrir. La gratuité est là. Nous sommes en train de la
de la mettre en application comme les chefs d'établissement et les chefs d'État lui-même apprenaient. Mais ça nous donne beaucoup de fil à retordre. Parce que premièrement, comme il a parlé de la gratuité, nous avons un grand nombre d'élèves. Il y a un effectif très élevé. C'est que dans les salles de classe, d'abord, le mobilier devient incomplet. À part ça, nous avons des élèves qui nous cassent les nerfs de la tête. Parce qu'ils sont nombreux. Et pendant que le nombre d'enseignants que nous avons est insuffisant. Et parmi ces enseignants qui sont là, il y en a qui ne sont pas payés. On ne sait pas comment est-ce que nous allons encadrer ces nombres exorbitants d'élèves pendant que nous sommes nous-mêmes en quantité insuffisante. Voilà un peu ce qui nous donne un très grand problème dans notre gratuité que le président de la République a prônée. À part ça, nous avons aussi une difficulté concernant les matériels. L'école est là, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, dans notre école ici, nous avons des salles de classe, l'une parmi elles est fissurée. C'est une classe qui n'est pas fonctionnelle. On est obligé de chercher une classe ailleurs. On ne sait pas avec quel moyen d'abord. On n'a rien. Nous sommes dans la gratuité. Nous demandons à l'État qu'il nous vienne en aide. Parce que cette classe, l'absence seulement de cette classe-là, nous échouons de fonctionner. À part ça, il y a aussi le manque de manuels. On n'a pas de manuels scolaires. L'école manque de manuels, on n'a pas de matériel didactique. Tout ça, ce sont les difficultés auxquelles nous sommes butés. Mm-hmm. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour papa. Bonjour madame. Ici nous sommes où papa? Précisément à Likasi, dans le complexe Mapinduzi. Mm-hmm. Et dans une des écoles appelée Mapinduzi 3. Vous êtes qui ici? Bon, moi, c'est le directeur de l'école. Mm-hmm. Mm. Ici, c'est la direction générale? Oui, c'est la direction de l'école, telle que vous la voyez. Et je suis là en tant que directeur. On vous paye comment ici? Bon, nous recevons le salaire de l'État. C'est tout. Alors, la gratuité d'enseignement ici, il y en a ou bien pas? La gratuité, il y en a. Mais avec beaucoup de problèmes. Mm-hmm. On reçoit peu. On ne sait plus nouer les deux bouts du mois, avec des classes pléthoriques, une centaine d'enfants. L'enseignant ne sait plus donner bien ses leçons. Avec une centaine pour les encadrer, c'est tout un problème. Et à part ça, il y a des enseignants NU qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Alors si ces enseignants-là laissaient même aujourd'hui, bon, quel est l'avenir de ces enfants-là? Alors nous demandons au gouvernement de pouvoir au moins songer à payer les NU pour que la gratuité soit effective. Et à part ça, il y a un problème. Ça, c'est l'une des écoles construites avec le gouvernement dans le cadre des 100 jours. Il y a une classe fissurée. On se demande avec quels moyens peut-on reconstruire cette salle-là. Alors, une classe qui est déjà hors d'état de fonctionner, ça nous cause déjà un très très grand problème. Alors, nous aurions souhaité que le gouvernement aussi vienne au moins jeter un coup d'œil, qu'il nous aide à reconstruire cette salle-là. Ça pourra aussi nous satisfaire quelque part. Ok, merci beaucoup. Merci. FADEM. C'est là où il y a l'outil informatique. Nos enfants peuvent y entrer pour avoir une certaine notion de l'informatique. Mm-hmm. Comme l'école n'a pas de moyens pour s'équiper de l'outil informatique, voilà pourquoi nous sommes obligés parfois de nous y rendre. Ils voient qu'est-ce que l'ordinateur, qu'est-ce que la souris, tout ça. Mm. Ça nous aide aussi quelque part. Merci.
Alors, de ce fait, nous demandons à l'UNICEF, qui est une ONG de renommée, qu'elle puisse nous venir en aide. Et surtout pour l'outil informatique, les manuels et tout ce qu'ils peuvent pour nous aider pour le bon fonctionnement d'une école, par exemple. Merci beaucoup. Oui, ça c'est un puits. On utilisait ça quand l'eau ne coule plus au robinet. Mm-hmm. Quand il y a carence d'eau, mm-hmm. on recourt à ça. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est aussi abîmé. Mm-hmm. Il faudra encore mobiliser quelques moyens pour réaménager. Mm-hmm. Merci beaucoup. Oui. Donc, cette fissure est posée suite au sol. Donc là, on a mis la fondation. Allez, la gueule! Moi, je vais vous parler à mon centre-ville à Likasi. Tout le monde a une maman fâchée, mambo bien, une pita, tout le monde a une motard, tout le monde a une kinkellerie, take away, parler, indio centre-ville à Likasi, comme moi, Yuaka, ou le hôte, Chiafika Kappa, Joy, et puis, mon yon a bien, ma maman va vous parler, ma baba, bata, batoto, bantubot, ma activité, bien là. Oh, good morning, everybody. We are in our town, Likasi. So we are very enjoying to be in our town Likasi because there are someone looking the money, but the job is not there. We are looking for the job, but the job is very difficult to look it and to find it. Now I thanks all our master maire de la ville for to give us opportunity to work on scooter in our town. Jambo wote, sisi hapa ni watembeza pikipiki, tuko muvili yetu ya Likasi. Mambo inatugase sana, inatuderange shi, ni tagaseri mumukini. Bali tuwekea nini kuvrefe, hapa bana tuwekea nani motaro wote, mwisho wa kutumika kazi ni 18h30. Atayne bana semaka 18h30. Umutu konona ba motala biko na bawo na 13h. Meshiye kutuwekea 18h ba makazi ba kingari 18h banaanza kutubamba banaanza kutupitisha mbio. Masomo bari tulaka hapa masomo ni ya biabule. Atuone masomo ya biabule batoto wetu na hapa biko naendelea na kulipa. Atujue tutafikia wapi. Chakula inapanda bei, vitu vyote vinapanda. Oh ni dollar. Dollar hapa iko stable, me bintu biko paka napanda. Hapa ni tomsomo ya 1000 francs juu ya kula chakula na batoto mnyumba ni magumu. Batu angaririe kutu takufa shaba na batoto. Niso kwa mbile bana bitu bonsu, bari batu londa mwa ebe ubo hani. Tetu mu centre ville wetu Likasi, tudini luta tulwaboni. Mumoni kwa mba ni, tetu baba tushebea kudibana bitu bonsu badibe ndaba tela, miaba mishila gana. Ari muntu ambula motaru, muntu kumoto motaru ambula klia. Urumambula bwa nishia mwaba gampanda. Ari wambula muntu bwa yaka shia mwaba gampanda. Uju wa ukila musangu mwaba mana kukututamaru tomo mutu. Ala turini lufu luabuni kudibana betu bagaba mana kushebea ni marto, bashebea ni tuela. Ala tetu tutula manu kudibawo torite betu ba mujitu nga dietu jalikase bwa ni. Batu mvile kwetu lusa, batu ele kuhetu ni trakaseri muhita buni bikoli.
Kubangile mwini ku maire de la ville même ni ngamba bantangile bimpo ku mpela kwa. Kubangile kwini ku maire de la ville. Tetu wetu mudi mudi banga 18h. 18h akime ba bene mudi mbatu ku mudi mbwani to ambula hetu. Pinde 18h akudi batu bojela basalai bwani batu kwata. Pinde tetu abani tunze tu mudi mubishi. Kimwa boyo tu utu tudile tu shimani bana betu ni bagage betu mpana. Eh tunasema hivi mambo ya balabala. Tunasema ba chef de l'état na ba maire de la ville bangarie ko mambo ya balabala. Balabala inalabika sana 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 kabisa. Na mambo ingine bangarie ko maoi ningia mu centre ville désordre. Ba mametu bantu bingine bena ujisha kumpembeni ya nsoko. Oi na pita pita mbio mbio saa ya kubakonga bakataze ko mambo ya oo mu centre ville. Ba fanchie kwa ta balabala yabo banza kupitia mpembeni. Mambo ya maoo matrak mu centre ville ile tunakatala. Trakaseri. Na mambo ingine shiba motara ba kutumika. Bena tukata mbele ya saa shi tutakura je? Tutafanya tena nini? Eh? Na mambo ingine bananza kupika ba motara, mamarto kubichwa. Bena ba uwa mudesordre shua sebi natokea wapi? Ba chef ya mkini bangaria kwa hii mambo sana, bangaria kwa hii mambo sana. Kasi mwimi andai bunji, mwima produit, mwima societe bunji, na ba montaro bie mwuchu. Ndike tomona kana vila kicha saa ba kangaka ba bino ba wewa, ba memaka bino ba zora bino ba mbongo. Eske awa pena vila likasi makambu wana pezali? Boe mama njo we munu wino wa mene mene ba kweto kwitu ifa to ba montare bi boko hoyabi ta ku secretaire ta mona nganya gouverneur to ko ku talme tunya maire de la ville ben katala ta ko ku sa monda ta mona ba montare nya timpa na mutu zero ba ku fila bantu mama ruto bebe fa ya ngaba ta mantu ku to kwa notre cafeterie ya awa ile ki akicha sa ele ki 100% mama. Et bon, les camba couvre-feu, awa, et zalipe. Ah, couvre-feu, et zate. Et bon, on va monter à côté, ça va monter à la ville de Herli. Ceci, ça va monter à 20h30, à la 21h juste. À part ça, problème, il y a un problème. 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 Il y a un gouverneur, il y a un maire de la ville, il y a un. Il n'y a pas de président de Félix qui se dit. Il n'y a pas de président de la ville. Il n'y a pas de président de la ville. Il n'y a pas de Lubumbashi. Il n'y a pas de la ville de Lubumbashi. Il n'y a pas de la ville de Lubumbashi. Il n'y a pas de la moins cher. Il n'y a pas de cher trop. Bon, il y a un peu de temps qui n'a pas de. Et coco gratuit. Ah ouais, Zali. Et ça gratuité. Mbote, mbote, ma combo, non, combo, non, non. Gelo, bois, c'est néné. Ok, mais c'est Gelo, ah, toza, wap. Toza, dans l'Ikasi, l'Ibosua, l'église Rama. Tonto, yéba, ah, gratuité, à enseignant, ah, l'oba qui est Zali. Bon, gratuité, à enseignement, ah, ils a pena, pena, te. Parce que, premièrement, dans l'école, il y a l'État, ils a ébélété. Ébélété, ça, car, bah, école, il y a école privée. Donc il y a pas tout. Donc moyen gratuité et kotakuna exacté. Exacté. Toi y a richesse yalikasi ezalimi. Bon richesse yalikasi makasi oh et bani pena Congo mobimba monde mobimba. Toi bi vraiment que non likasi eza des minéraux. Donc cobalt, cuivre ba sous-sol nde ça la force yalikasi. Et bon kuluna awa kuluna ezalakate. Te awa kuluna ezalakate. Awa ville eza nango calme mais ba bandine ba kota ba na banini na butu ba nini ya bongo ma ville est calme koluna a ils ont été que moi ba tuala muki machete ba kota ba tu te a ville est moins calme. Voilà, voilà, bosri kolanda ndenge banzela na kati ya ville likasi ndenge za voma ya malamu te za pende ya la buchafu ba poussière epai ba mituka o ezo kende na ba société pe na kati ya jekamine e ezo bebi sa penda nji ya kati ya ville likasi boyoki ndenge na ba école ba lobby ba enseignant ba lobby ba maîtresse ba madame non so ba lobby bongo na bo pito na la xibino ya rien à dire. Oh, babamba qui mange, babambi qui mange, t'es vraiment
on dirait qu'il y a Ville Likasi, Bipayouapi, la patrimoine de la presse congolaise, n'est que sous les éléments au point de l'Axabino. Comment Banjila, Banzela, et ça vraiment malam, t'es dans la carte de Ville Likichasa, puis dans la carte de Ville Likasi. Bisonance Tozaka à Congo, Bisonance Tozaka à RDC. Merci à vous, Major, que j'aime beaucoup, Major Jojo Kasongona, Jemi qui passe. Et merci les sous-sous, na Major Bouchiri, on dirait qu'il y a Jemi Kapela Ngayo, Nakati ya ville, Yalikasi, Nakitina Mabele Nayo, le balango colonel, Faustin Numbi, Nakati na Jemi échangeur, papa, ba gros bisous, le sac, comme ça, qui toko, Awa Penza, Ezaya Kobeba, Bilmoko Bomoni, Banzela, Baraya, Train, Bopital, Bécole, donc il n'y a rien à dire, Nganabino Tozo Kabouan, Awa. Adonai.